Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouais. Bon. Voilà. Non, non, on oublie ce petit intro. Hein. J'ai voulu changer un peu de forme, parce que d'habitude, on me dit, ah, mais tu changes un peu de forme, t'es un peu trop... Attends, on m'avait dit quoi? Je vous retrouve le mot qu'on m'avait dit. Tu es trop... Ah, formel, voilà. Apparemment, d'après des personnes, je suis quelqu'un qui suis beaucoup trop formel. Je vois pas pourquoi. Je vais t'étonner, tu vois pas pourquoi je suis trop formel. Hein. Putain, roi cruel, je te taquerai après. Juste parce que ton nom est cruel. En vie, je suis pas mort, ouais. Hip hip hip. Ouah. Bon, voilà. Non, mais je pense que la vidéo sera... Je vous dis tout de suite, la vidéo, je pense, sera complètement comme ça. Hein. Ça... Voilà. C'est le petit moment, il y a toujours une vidéo ou deux de temps en temps où c'est le moment craca psychologique, comme je l'appelle. Hein. C'est le moment où je raconte plein de conneries, c'est le moment où je fais le con, donc... C'est la vidéo, là. Donc je vous promets que ça risque de faire mal cette vidéo pour ceux qui aiment. Ceux qui n'aiment pas me quand je fais le con, ne regardez pas cette vidéo parce que vous allez être déçus. Non, je préfère redire d'avance que ça peut surprendre des personnes parfois que je suis aussi fou dans ma tête, comme j'ai envie de dire. Est-ce que j'ose quand même, j'aime bien changer un peu toujours faire des vidéos. Éviter qu'elle soit répétitif et similaire. J'ai envie que mes deux, en fait, chacune de mes deux yeux, y a quand même un fond commun, je dis pas le contraire, mais quand même que vous trouvez pas qu'à personne fasse toujours la même chose, comme ça, ça, pour contenter un peu tout le monde, voilà. Comme ça, je contente les personnes qui aiment bien les vidéos où il y a beaucoup de commentaires historiques, comme ça, je... Les personnes qui aiment quand c'est bien expliqué, comment on bien joué, tout ça, bah, ils sont contents. Voilà. Et les personnes qui préfèrent quand je ferme ma gueule, excusez-moi de ce vocabulaire, bah, ils seront jamais contents. Voilà. Ça, mais vraiment, c'est une réalité. Donc voilà. Je préfère le dire tout de suite. Bon, on va faire... Non, je peux pas lui déclarer la guerre. Je peux pas lui déclarer la guerre non plus, lui. Et en fait, j'ai trouvé en fait ça qui va vraiment m'embêter en fait. Yop. Mettre fin au complot. Ou je t'excommunie. J'y vais sans généraux. Oh, l'idée! Oh, j'ai une idée! Ah non, j'ai... Ah, étant donné qu'ils ont pas eu d'enfants, non. Bah non, ça marchera pas. Que de mémoire, je crois que je peux faire en sorte de revendiquer le bordel s'ils ont un enfant, vous voyez. S'ils ont eu un enfant, je peux revendiquer pour le compte de l'enfant. J'ai eu l'enfant de ma dynastie, bon. Je vous passe tous les bordels après à côté. C'est vraiment compliqué des fois. Hein. Même moi je me perds parfois à vouloir vous expliquer ça, après je viens de me paumer dans ce que je vais vous dire. Ah oui, pour tout ce qui est revendication due à une mort d'une personne, ça dépend énormément de l'enfant, hein. S'ils ont un enfant ou pas, de la dynastie de l'enfant, c'est une prise de tête. C'est une prise de tête. Complet, absolu, j'ai rien d'autre à dire, hein. C'est tellement une prise de tête que parfois... vous en pouvez plus, faut être honnête. Ah, c'est... Il y a un petit cadeau.
Allez, j'y vais moi-même. Bon, lui c'est un manchot, donc on enlève. Lui il est bien. Lui il a aucune compétence. Bon, je peux mourir dans cet assaut. Dans ces combats. Donc faites gaffe. Une flèche perdue, un coup d'épée, une lance qui passe à travers l'armure. Ça peut arriver. Le massacre d'une armée aussi, ça peut arriver. 16 mai, j'arrive le 13 mai. Ça m'étonnerait que je puisse dégommer l'armée ennemie en 3 jours. Peut-être en 2. Mais ça me paraît comme... Non, je pourrais pas. Ah si. Wow, génial. Donc 10 juin, j'arrive le 8 juin, donc il est mort. Voilà, c'est... Je suis gentil, je libère tous mes prisonniers. C'est dans la période, j'ai pas envie de vous embêter. Donc ici il est bon en défense pour maintenir le moral, bon en défense pour maintenir le moral, bon en défense à maintenir le moral. Bon, je crois que quelqu'un est mort durant la bataille. Mais moi j'ai envie d'exploser totalement l'armée avant de négocier la paix. Bon par contre je suis désolé pour la mort de cette personne, il a bravement combattu. Allez hop. Voilà. Oh, on a gagné. C'est magnifique. Bon. On a gagné un peu facilement, mais bon, ça c'est un détail. Ah, le dodge j'ai encore changé. Le dodge j'ai encore changé, donc. Ici aussi j'ai encore changé, mais... C'est ce que j'adore dans ce jeu. Vu que les doges changent tout le temps maintenant, depuis qu'ils ont mis ça en place, vous pouvez facilement faire 2-3 guerres contre le même état. Donc au final, vous êtes toujours contre à peu près la même nation. Mais vu qu'elle est déjà affaiblie de vos anciennes guerres et qu'il faut du temps pour tout remettre en place, ben... Vous reprenez avantage, vous faites une guerre, et ben c'est comme ça qu'en fait vous remettez très rapidement le même adversaire. Et au bout d'un moment, ben, ça passe, hein, je vais pas vous mentir. C'est comme la technique quand les 10 000 hommes passent pas, vous en envoyez 20 000. C'est exactement pareil. Ou on peut comparer aussi cette stratégie-là où je t'ai déjà détruit. Eh ben je vais te redétruire, c'est une stratégie tellement, j'ai pas envie de dire courante, mais si quand même, c'est une stratégie courante. Maintenant que dans le jeu, vous êtes obligé de déclarer la guerre, ouais, j'ai envie de dire vous êtes obligé. Moi je me limite à déclarer la guerre quand je peux déclarer la guerre, j'ai vu de redéclarer la guerre quand j'ai un traité de paix par exemple. Mais en considérant que le souverain change souvent et que les traités de paix se font à l'époque là, c'est entre deux souverains, donc c'est par exemple entre machin bidule du Saint-Empire et le roi de France machin, la paix était signée entre les deux, c'est dire que dans ce traité là c'est dit on ne s'attaque pas dans les temps d'années à venir, voilà, en gros c'est ça. Et si l'homme à tête de l'État change souvent, par exemple tous les ans la personne change, par exemple, vous l'avez détruit la première année. Je prends un exemple simple. La première année, ça fait un an que vous avez fini la guerre, l'ennemi avait perdu des milliers d'hommes, et en train de commencer à peine à reconstruire. Vous arrivez, vous dites, ah bah le roi a changé, bah, on refait une petite guerre, hop, l'armée ennemie est déjà beaucoup affaiblie, donc vous avez moins de troupes à affronter. Donc vous profitez de l'épuisement de guerre, j'ai envie d'appeler ça comme ça,
Et dans le sens que je dirais plus en moment de guerre, c'est que les anciennes guerres ont déjà frappé le pays et n'ont pas eu le temps de se rétablir, les troupes. Vos troupes sont toujours affaiblies, bon, pas forcément détruites, mais affaiblies. Et votre armée n'est pas opérationnelle à la guerre comme pourrait être opérationnelle, par exemple, une armée où, qui a pas encore combattu depuis plusieurs années. Bon, c'est vraiment quelque chose de bête ce que je dis, mais bon, c'est sympa, je trouve. D'où d'ailleurs, le plus souvent, quand maintenant quand on fait des traités, c'est des traités état par état et non pas gouvernement par gouvernement. Parce que imaginez, si tous les 5 ans on doit refaire tous les traités qu'a fait un ancien. Par exemple, on imagine que Monsieur Hollande, notre cher président, n'est plus au pouvoir. Tous les traités qu'il a fait devront être refaits. Parce qu'il n'est plus là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Oh, duché de Chypre. Oh, royaume de Russie. Oh oui! Ah non, non, là c'est un mariage extrêmement stratégique. Parce que c'est l'une des filles de... Ouais, c'est ça. Oh, le mariage. De par ce mariage, je revendiquerai après la Russie. Je suis méchant. Donc, voilà. Donc les signatures état par état sont quand même plus avantageux pour un état. Par contre, signature personne par personne, ça avantage plus souvent le plus fort. Oh mais le pape! Oh, je veux déclarer la guerre, tiens, bonne idée! Ah mais non, mais c'est de pire en pire mes vidéos, j'ai des idées de plus en plus tordues moi. Mais, tiens, t'es content maintenant, t'es content. Nominé... Ah oui, ça par contre ça peut être problématique, ouais. J'aimerais Ah oui transférer un réseau. Attendez. Est-ce que je peux créer un titre? Non. QSP. Ah, ça c'est un petit problème. Est-ce que vous pouvez nommer uniquement des princes et des ducs? Et étant donné qu'il n'a pas de duché, je peux pas lui donner de duché. Ouais. Comment je vais faire mon coup là? S'il vous plaît, aidez-moi! Youhou! Au secours! Vous n'avez pas une petite idée à mettre dans mes commentaires de vidéo? Parce que là, je sais pas du tout comment je vais me faire ce coup-là. Alors, mon armée va se faire massacrer, ça sert à rien de l'envoyer. Je n'ai aucune idée comment je vais me démerder dans ce coup-là. Bon, attendez. Ouais, je vais payer une grande somme, mais j'aimerais qu'il... C'est ça qui me manquerait, c'est qu'on puisse demander s'il veut pas, s'il est pas d'accord de... Qu'on puisse proposer une demande de guerre sainte, ce serait pas mal.
Si j'ai plus de maître espion, c'est qu'il n'y a plus de problème. Je sais pas ce qu'on va faire en fait là. Je sais pas où on a cet élevé. Ouais, les gars, d'accord. Je sais pas comment je vais faire mon coup en fait là. C'est incroyable. J'ai beau réfléchir, j'arrive pas à trouver comment je peux faire. Donc je viens de constater que c'est bizarre aussi qu'ils aient toujours pas arrêté la guerre là-bas. Que vous êtes à 100% depuis la vidéo précédente et ils n'ont toujours pas signé le traité de paix. Ça, ils aiment bien se taper dessus. J'ai une éventualité aussi. Soit ils sont complètement mortaux. C'est pas grave. J'ai besoin de revendications. Bon, on va continuer de s'étendre vers l'est. Tiens, le calife, il peut avoir combien d'hommes? Hop, guerre. On prend quoi? On prend un boutron, Petri, bidule, ah ouais, Youssif, bidule, machin, là. Ah ouais, bonne idée. Boum. Allez, hop. Ah, j'ai de ces idées, moi. Alors, on va se faire une belle guerre sainte. Sauf qu'elle va être beaucoup plus facile parce qu'on a beaucoup plus d'escorte. Et qu'il y a beaucoup de guerres à l'intérieur même du pays. Donc voilà. 2, 3 et 4. Et nous devons l'armée de Jérusalem. Voilà, c'est 12 000 hommes, je dirais comme ça, vu de nez. Je devrais pas trop me tromper, je pense. Ça peut être trop un des bons chiffres. Voilà. Un gros coup de lag, j'adore. Eh, mine de rien, le temps il passe vite là, c'est... Là, c'est des... là par contre c'est un bug qui commence vraiment à me désappointer, on va dire. J'utilise des mots qu'on n'a plus entendu depuis longtemps, désappointés. 12 500, j'ai raison. Parce que c'est embêtant quand même, parce que c'est... Officiellement, c'est pas des trucs qui nous... qui doivent nous atteindre. C'est pas des trucs à nous, c'est pas des... une de nos préoccupations, donc... on a totalement rien à... on a rien du tout à s'en occuper, c'est tout, voilà. Comme ça on va rester poli quand même. Oh, j'ai déjà pris d'assaut. Ouais, mais je suis rapide moi. Bon, on va faire plein de guerres religieuses maintenant. Ouais, vive la guerre. Non, ou pas. Que moi je considère que il est mieux de gagner une guerre par la diplomatie que de gagner une guerre par la guerre. Si vous voyez ce que je veux dire.
dans le sens qu'il est mieux de gagner une guerre avec la diplomatie du genre, par exemple, on dit vous impressionnez l'ennemi, donc vous sacrifiez pas de troupes, tout ça, donc l'ennemi est impressionné, donc il va se rendre, plutôt que d'envoyer l'armée, de complètement foutre en l'air, parce que c'est ça, foutre en l'air l'armée ennemie, pour gagner. Moi je vois comme ça personnellement, je trouve les guerres, mieux vaut faire ça comme ça. Et dans ce jeu, étant donné que je crois qu'en plus j'ai déjà dit une fois qu'on pouvait pas gagner sans faire de guerre, vu que c'est pas possible, on fait quoi, question? Est-ce qu'on attend? C'est une solution, hein. On peut, au pire on attend. On fait rien, on reste au haut, voilà. Ou est-ce qu'on se démène pour faire plein de guerres pour que ça devienne intéressant, voilà. Moi je pense que je pense que c'est un petit aspect qu'ils ont oublié au jeu, ça, de pouvoir allez-y, envoyez toutes vos armées une par une, là je suis en train de vous ruiner, voilà. Et hop. Et 13% de son armée détruite. Ça m'a fait gagner 13%. Allez hop. Allez hop. D'ailleurs, juste par curiosité, il y a 80 000 hommes, il peut plus qu'en soulever 80... Bah d'accord, il a regagné 20 000. En contrepartie, mais... En gros, il a perdu autant qu'il en a gagné. D'accord. Tripoli. D'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, au niveau là-bas, il y avait deux ordres qui s'occupaient pour les occidentaux, en quelque sorte, qui s'occupaient des Terres Saintes. C'était l'ordre des hospitaliers et des templiers. Mais ça, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, parce que celle-ci commence à faire longue. Je sais, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. On va faire un peu plus longue, parce que je vais être gentil. On va faire un peu plus longue et on va faire cette dernière petite guerre là. Comme ça on va récupérer duché de Tripoli d'ailleurs. Ouais. Et tu vas voir pas le royaume mais le duché. Voilà. On va faire un peu plus longue, comme ça on va finir cette guerre. Et au moins d'un côté, ce qui est bien, c'est que on a eu beaucoup de guerres entre occidentaux et maintenant on va faire beaucoup de guerres ici, parce que c'est assez facile de faire les guerres. Oui, parce que... aimable. Zélé. Merde. Excusez-moi. Excusez-moi pour ce vocabulaire inapproprié. Donc, hop, hop, et hop. Oui, quand même, ma cavalerie quand même peine pour prendre des fortifications. C'est une mosquée, attends. 2 de 5 ici. T'es 2-5, voilà. Ouais, voilà, là. La fortification était exactement les mêmes. Ils étaient moins nombreux, il m'a fait beaucoup plus de temps pour reprendre. Voilà, là je vous démontre. 1 plus 2 égale 10 en gros. Donc voilà, vous voulez capturer rapidement des lieux. Ne faites... Voilà. Bon. On fait ce traité de paix, voilà. Je vais hors vidéo m'occuper de tout ce qui est redistribué, tout ça. Ou peut-être si ça, vu que c'est indépendant, je vais peut-être le déclarer à la guerre vu qu'il est indépendant. Vous voyez, c'est... donc il y aura peut-être quelques petits changements, mais de manière générale vous ne prenez rien. Donc on va usurper ça, comme ça vous êtes là en plus. Voilà, c'est usurpé. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était plus longue que prévu, je m'en excuse. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.
Et encore merci de me suivre depuis autant de temps et de continuer à me suivre, vu que ça fait maintenant plus de 2 ans que je fais mes vidéos. Merci!